à ta nouvelle position, mais c'était pas si pour moi, pendant junior, je jouais à l'aile. C'est quand j'ai venu avec les Flyers qui m'ont mis au centre. J'avais déjà joué à l'aile avant. C'était pas si pire que ça. Sûr, on est content avec deux blessés. On avait deux vétérans devant le filet qui sont blessés. Maintenant, on ne savait pas trop à quoi qu'elle est arrivée. En allant chez Mrazek, ça prouve que le management croit en nous et veut nous donner une chance de gagner. C'est le fun pour nous là, en tant que joueurs. L'année passée, à la fin de la saison, il y avait beaucoup de pression ici à Philadelphie pour faire des échanges. Ils n'étaient pas contents des résultats. Mais Extor, ils vous regardent ensemble. Est-ce que tu penses que ça fait une différence aujourd'hui? La décision qu'il a pris de vous garder ensemble l'année passée, à pareille date ou presque? Je pense que oui. Je pense que. Je pense que. Il veut développer ses jeunes. Puis je pense que ça commence à montrer que la profondeur est importante. Comme on a Simmons qui est blessé, on a un jeune qui arrive. C'est une belle opportunité pour lui de se faire valoir, de se prouver. Développement des jeunes, ça va être beaucoup l'équipe. Là. Écoute, en jouant où Ron Extor a été patient, puis c'est en arrière du banc. Il y a eu beaucoup, à un moment donné, de discussions sur l'avenir de votre coach. Votre GM a gardé le cap. On est obligé de conclure sur une bonne décision, peut-être avec la vitesse de croisière que vous avez actuellement. Je pense que oui, mais je pense que dur sur nous dans notre séquence de 10 défaites. Oui, ça a l'air pas une bonne séquence, mais on a perdu 5 en prolongation là-dedans. On a perdu plus que 2 de suite en réglementaire. On trouvait le moyen de gagner, en même temps, on était si proches. Les gars, il n'y a pas eu personne qui a pointé du doigt personne, puis on s'est trouvé, puis on a appris de ça. Je pense qu'on a fait une meilleure équipe aujourd'hui. Ouais. De parler d'honneur individuel. OK, c'est...